Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de parfums lactés. On m'avait demandé, Olivia, fais-nous une vidéo sur les parfums lactés. Les parfums à base de lait, les parfums qui peuvent avoir ce truc réconfortant. Donc voilà, moi vous me demandez, et ben après je le fais. Pas toujours, mais j'essaie de le faire. Donc écoutez, c'est un thème de vidéo qui vous intéresse. N'hésitez pas à rester, à vous abonner, à regarder la vidéo jusqu'au bout, à liker, à me mettre un commentaire pour nous partager. Vous, quels sont les parfums lactés que vous aimez ou que vous n'aimez pas, vous avez le droit à ne pas aimer, de vous exprimer dans le respect. Et bienvenue si vous découvrez cette chaîne, je m'appelle Olivia Garmin, je suis ravie de vous accueillir, je suis ravie les gens que vous reveniez. Bon, je vous préviens, on se fait une série de vidéos où je suis maquillée pareil, habillée pareil. Vous savez que bébé arrive là dans 11 jours théoriquement, à tout moment il peut y avoir un truc pendant la vidéo. Hein. Vous êtes prêts, hein. Ok, donc, les parfums lactés. Pour moi, quand je vous parle de parfums lactés, c'est vraiment les parfums qui vont avoir ce côté lait de vache. Okay, le lait, chocolat, le côté lacté. Est-ce que c'est des parfums lactés? Mon conseil, vraiment, ces parfums, les amis, il faut les tester sur votre peau. Parce que déjà, un parfum sur touche parfumée, donc le petit papier, et sur votre peau, c'est très différent. Des fois, on peut avoir des très bonnes surprises, des fois, on peut avoir des mauvaises surprises. Notamment les muscles, tout ce qui va être parfum à base de muscles, testez sur votre peau parce que ça va vraiment réagir avec votre peau et ça va se magnifier avec votre peau. Mais les parfums lactés, si ça réagit mal avec vous, ça peut avoir un petit côté vomi de bébé. Donc vraiment, faites attention. Je ne le répéterai jamais assez, les amis. Évitez de faire des achats à l'aveugle, d'accord, hein. Évitez de faire des achats à l'aveugle et testez sur votre peau, quitte à vous offrir des échantillons. Voilà, pour tester. Donc, je me fais harceler en ce moment. Je sais pas si alors, je me parle des numéros là, qui me cassent les pieds pour me refourguer des trucs. Ça me casse un peu les pieds. Donc, parfum lacté numéro 1. Alors, très sympathique, très simple, petit budget, moi je l'aime beaucoup. C'est le Chocomusk de Alréab. Ça, c'est un petit parfum cocooning. J'aime bien ça. Vous avez de sucre dedans. Un peu lait et un peu chocolat. Ça, c'est vraiment un parfum très régressif. C'est très mignon, c'est sympa, c'est pas... C'est pas le parfum élégant, ça c'est le parfum, tu portes ça chez toi à la maison, t'es content, t'es contente, tu mets ton pilou, tu restes devant la télé, tu regardes les chroniques de Bridgerton, je me cultive en ce moment là les amis. Alors, grande culture générale, hein, c'est important de se cultiver. Non, ça c'est très sympa, vous avez un petit côté chocolat, lait, mais le lait va être présent, mais... Pas tant que ça, vous allez plus sentir le côté chocolat en poudre sucré. C'est pas du chocolat noir, c'est pas du chocolat amer. Vous allez vraiment plutôt sentir le côté chocolat au lait avec un peu de lait et du sucre. Vous allez sentir le sucre là et un peu de musc. Donc c'est vraiment sympa, c'est réconfortant, c'est très mignon, c'est un petit budget ça. Avec les frais de port, vous pouvez vous en sortir pour 15€ maximum. Maximum les amis, hein. 15€ les 50ml, franchement je l'aime bien, c'est mon deuxième flacon, j'ai déjà offert à une copine, je trouve vraiment super sympa celui-là. Dans le même genre, mais là justement avec la note de lacté qui est vraiment beaucoup plus importante, beaucoup plus présente, vous avez le lait et chocolat, je sais pas si vous verrez, ouais, lait et chocolat de la maison Chabot. Alors lui je l'aime vraiment beaucoup, mais là, on est dans le même esprit, hein, mais par contre, vous avez beaucoup plus de lait. Donc, il faut aimer ce type de note-là. Pour moi, c'est vraiment l'odeur, mais c'est l'odeur 100% du bol de lait avec du Nesquik. Vous avez bien chargé, vous avez bien chargé en Nesquik. Et vous avez vraiment cette odeur de lait qui est très présente. Alors, moi, ça me rappelle mon enfance. Quand j'étais plus jeune, je vous raconte ma life. Mon papa il me préparait toujours mon petit déjeuner, hein, et le week-end j'avais trop petit déjeuner devant la télé. Et en fait je déteste le lait, je bois le lait, vraiment c'est un produit qui m'incommode. Et pourtant vous voyez j'aime bien l'odeur, c'est bizarre hein, mais boire du lait c'est vraiment un truc, ça me rend malade.
Et ce que je faisais, c'est qu'après, je versais le lait dans les plantes parce que je voulais pas boire mon lait au chocolat. L'odeur, ça va, hein, mais j'aimais pas boire le lait, donc du coup, je versais le lait dans les plantes. Et franchement, les plantes, elles poussaient bien. Hein. Mais voilà, ça me rappelle mes petits déjeuners le dimanche matin devant la télé à regarder Sailor Moon. Et avec mon bol de lait. Et j'essayais de faire ça en cachette parce que je pense que je me serais fait taper sur les doigts si mon père m'avait vu. Parce qu'il faut boire du lait pour le calcium. C'est pas vrai, mais c'est pas grave. Donc voilà, écoutez, les chocolats, si vous aimez le lait, si vous aimez le chocolat, il va vraiment vous plaire. Il est très doux, il est très joli. C'est une eau de toilette, d'accord? Donc vous attendez pas à avoir des parfums qui vont tenir des heures et des heures. Mais la projection n'est pas ridicule. Le siège, il n'est pas ridicule aussi. Il est très sympa. Et dans la même catégorie, alors du coup, j'ai gardé mes échantillons pour vous montrer. Chez Chabou, ils ont toute une collection lait et lait. Enfin, lait et machin chose. Donc ils ont lait concentré, lait de biscuit, lait de vanille. Lait. Bref, on s'en fout. Alex n'est pas là, je peux parler comme je veux. Donc on a le lait de biscuit qui est très très joli. Ça, pour moi, c'est l'odeur. L'odeur du petit lu trempé dans du lait. Donc vous avez le côté lacté qui est moins puissant que dans le lait chocolat. Donc vous avez moins ce lait qui est très chaud, très très présent. Vous avez plutôt le côté un peu biscuit, un peu, vous savez le petit beurre là, le petit lu là, il a un goût sucré, il a un goût doux, mais il y a un petit truc derrière qui lui donne un peu de corps. Mais vous allez retrouver ça. Donc il va rester, c'est un parfum qui reste très doux, qui est très joli, mais c'est vraiment un parfum de peau. Ça c'est pas un bismode. Donc vous avez le lait de biscuit que j'aime beaucoup, j'aime bien acheter. On a le lait concentré. Alors là, c'est vraiment l'odeur du lait concentré. Ça, c'est ultra gourmand, c'est ultra addictif. Ouais, ça, c'est ça, moi, ça j'aime vraiment beaucoup. Ça, c'est. Mais là, on est sur du lait concentré sucré. Vous vous rappelez les petits berlingots tic et tac là, si vous avez connu, si dans mon âge vous avez connu. Donc c'est un peu ça, le lait concentré un peu vanillé, très sucré. Ça, c'est vraiment addictif. C'est vraiment Madeleine de Proust. Encore une fois. Je sais pas si c'est un parfum que je porterai quand je vais au travail, quand je veux être, non, je veux être élégante, pas du tout. Voilà, quand je veux en imposer et me donner de la confiance. Par contre, le soir, encore une fois, quand je suis bien, quand je suis lavée, quand j'ai envie de me détendre, quand j'ai envie, ou même quand je veux glander à la maison et je veux avoir un moment cocooning et un moment de douceur et de pas de volupté, mais vous savez ce moment où vous êtes bien chez vous, vous êtes au chaud comme ça et vous êtes bien et vous détendez, et ben c'est totalement ça, franchement c'est totalement ça. Donc c'est très joli, je l'avais aussi acheté celui-là, je l'avais beaucoup aimé. Et le dernier de la collection, on a aussi lait de vanille. Alors le lait de vanille, c'est celui que je trouve peut-être que le moins intéressant, parce que en fait c'est bien, ça sent la vanille. Ça sent la vanille, une vanille assez douce, hein, d'accord. C'est plutôt, ça sent un peu la crème vanille. Vous savez, la crème vanille ou la glace à la vanille qui a fondu. Prenez la glace à la laitière à la vanille qui a fondu. Ça sent ça. C'est joli, franchement, c'est joli. C'est une jolie vanille facile à porter. Elle n'est pas trop imposante. Elle est douce, elle est agréable. Pourquoi pas? Parce que vraiment, vous allez sentir une belle vanille. Hein, vanille sucrée. J'aime bien, elle n'est pas trop puissante. C'est vraiment facile à porter. Après, franchement, moi, quitte même à, si vous voulez quelque chose de plus vanillé, prenez plutôt lait de biscuit. Enfin, selon moi, que lait de vanille. Donc voilà, écoutez, moi, c'est une collection que j'aime beaucoup chez Chabot. Hein, dont lait concentré, j'adore. Lait chocolat, ben, je me le suis pris pendant le Black Friday. Et lait de biscuit, j'avais bien aimé aussi. Et puis lait de vanille, après tout, pourquoi pas. Voilà, petite collection de lait fort sympathique. Qu'est-ce que j'ai aussi pour vous? Alors, j'ai le Italica. Pardon. Italica de chez Zerge. Vous voyez là, je suis passée aux choses sérieuses. Je me suis pris un gros flacon pour Noël. Donc là, les amis, ça aussi. Pas d'achat à l'aveugle. Pas d'achat à l'aveugle. C'est un parfum avec des notes de lait, de safran, d'amande, de toffee, de vanille et entre autres. C'est un parfum qui est très très puissant. C'est un parfum qui est très gourmand, qui a une grosse projection. Je vous en parle très souvent, c'est parmi mes parfums préférés. J'adore ce côté amande, j'adore ce côté lacté, j'adore ce côté un peu épicé, caramel. C'est vraiment,
Je le trouve super gourmand. Et là, en fait, il a quand même ce côté un peu raffiné qui est... qui est amené par le safran et les épices, qui fait que c'est pas juste un parfum lacté. Il y a quelque chose en fait. Là, franchement, ça, c'est pas forcément un parfum cocooning pour moi. C'est quand même un parfum qui a de la présence, qui a du caractère. Yeah. Ouais, c'est ok, tu es une personne qui porte des parfums gourmands, mais c'est pas régressif en fait. T'as quand même un truc un peu voilà. Tu as du charisme. Tu es une personne fort charismatique quand tu portes ça. Mais on a quand même envie de te croquouiller, tu vois. Le charisme, quoi. Franchement, je l'adore. Très grosse tenue, très grosse projection. Vraiment, pour moi, c'est un très, très beau parfum. Gourmand, lacté, un peu épicé. Si vous aimez, je vous encourage vraiment à le sentir. Mais vraiment, pas d'achat à l'aveugle. Je vous ai déjà dit, je vous ai raconté. Moi, j'ai des copines d'Instagram qui m'ont contacté, qui m'ont dit « Olivia, j'ai acheté Italica à l'aveugle. Il est trop puissant pour moi. » Est-ce que tu le veux? Non, je le veux pas, j'ai 100 ml les gens. Mais c'est un peu dommage, donc voilà. Prenez-vous des échantillons, prenez-vous des décantes, testez sur peau, familiarisez-vous avec. Après, n'hésitez pas aussi des parfums comme ça qui sont un peu puissants à les sentir et laissez un peu votre nez tranquille pendant quelques temps. Si vous n'avez pas trop aimé, mais que quand même. Et après, vous pouvez y revenir parce que des fois, on a des bonnes surprises. Bon, des fois, on est sûr qu'on n'aime pas. Mais des fois, en se laissant un petit peu le temps, eh ben, les choses un peu évoluent. Et on est plus à même d'apprécier la beauté de ça. Voilà. Donc moi, je l'adore. Je vous le recommande fortement. Parfum suivant. J'ai de chez Théo Cabanel. Café Cabanel. Alors lui, je vous en parle... c'est pas un parfum lacté qui va sentir 100% le lait, mais et c'est pas un parfum qui sent énormément le caramel, enfin le café. Vous allez me dire pourquoi tu nous en parles, Olivia? Mais parce qu'il y a un petit truc, il y a un petit, pour moi c'est un parfum, je trouve, qui est ambré et qui me fait penser quand même un peu à Duradit. Il me fait penser à Vanilla Diorama. Alors les gens, d'accord, c'est mon nez, hein, c'est mes délires de femme enceinte, donc j'ai le droit de vous dire ce que je veux. Elle est toujours à sentir de votre côté. Et moi, ce Café Cabanel, ben oui, je trouve un petit côté lacté, je trouve un petit côté un peu Werther's original, un peu bonbon, et oui, il a un petit côté lait, mais pas... Là, on nous dit que c'est un parfum qui est lactonique, avec de la vanille, du café et tout. Et ah, c'est Cécile Zaroquian qui l'a créé, je me rappelle plus, oui. On nous parle de notes de café, de cannelle, de beurre, je regarde un petit peu les notes, de fève tonka, de caramel, de vanille, ce que je vous disais. Donc, c'est un parfum qui va avoir un côté lacté, mais ça n'a pas forcément la chose qui va être la plus proéminente. C'est un parfum qui est un peu enveloppant, qui est un peu rond, c'est très joli pour l'hiver. Alors, enfin, je vous dis l'hiver, il fait 18 degrés aujourd'hui chez nous. 18 degrés, les amis. Bon, on va pas se plaindre, hein, mais bon, quand même, tu vois, pour porter parfum d'hiver, c'est un peu compliqué quand même. Mais il a un petit truc, t'as envie d'y revenir, il est chaud, il est réconfortant, vraiment, il est joli. Donc voilà, à découvrir. Après, chez Théo Cabanel, ce qui est bien, c'est que quand vous commandez, ils sont assez généreux en échantillons. Généralement, vous avez 3 échantillons par commande. Donc moi, je trouve ça fort sympathique. Donc voilà, c'est le moins lacté de tout ce que je vous ai proposé pour l'instant. Mais ça peut être, justement, ça peut être un bel intermédiaire pour vous. Vous voulez un truc un peu gourmand, un peu café, un peu beurré, un peu lacté, mais pas trop que ça sente le lait chauffé à la casserole. Bah pour vous, ça peut être une entrée en matière assez sympathique. Alors, je vous ai sorti aussi Gourmand Bas-Corps de chez Jousset. Alors, faudra que je vérifie parce que j'avais commencé à préparer mes parfums. Et je sais pas pourquoi est-ce que je vous ai mis ça. Mais il y a un truc, si je vous ai sorti Gourmand Bas-Corps, ou Bas-Court, c'est qu'il y a un truc. Alors, ça pour moi, c'est un gourmand qui sent le caramel. Ouais, c'est ça. Il y a un côté caramel, il y a un côté lait dedans. Lait. Franchement, on s'en fout. Il y a un côté bonbon. Ouais, pour moi, ça, c'est un... Alors, il est... Vous voyez, si je le compare au Théo Cabanel, il est beaucoup plus caramel, celui-là. C'est pour ça que je vous l'ai sorti. Alors, c'est un gourmand... Gourmand, d'accord, voilà, de chez Jousset. Ouais, c'est bon, j'ai pas mis que des conneries. On nous parle d'un caramel lactonique. Donc, il y a des notes de caramel, de lait
et de fumée en note de tête. Alors, c'est comme chez Jousset, ils ont quand même cette caractéristique, leur parfum. Il y a toujours un petit peu d'encens, il y a toujours un petit côté résineux. Donc c'est pas du 100% gourmand. Il y a toujours un petit peu ces notes-là présentes, mais pas juste présentes comme ça. Et c'est pas des notes qui vont prendre trop de place, mais qui vont rester là pour donner un petit peu de cœur au parfum. Et donc vous avez en note de tête, vous avez du caramel, du lait et de la fumée. En note... ça c'est la tête. En note de cœur, vous avez encore du caramel, de l'encens inoki, c'est du cyprès du Japon et du cuir. Mais le cuir il est pas... c'est que moi j'aime pas trop le cuir sel de cheval, hein. Donc du coup sinon je vous aurais dit. Et en note de fond, on a du tofu, donc du caramel encore, et ben, encore de l'encens. Donc moi sincèrement, ce côté encens je sens pas tant que ça, mais je sens vraiment le côté très caramel lacté et toffé. Donc il est, et effectivement, je vais sentir un truc, mais alors, le problème c'est que mon oreiller, oui, il est un peu biaisé mon oreiller, parce que c'est un petit moment que je ne l'ai pas lavé. Mais il y a un truc, tu vois, il y a un truc gourmand, c'est pas du sucre. Il y a un truc en plus qui donne un peu plus de cœur, qui va lui donner un peu plus de caractère pour sortir sur le full gourmand qui colle aux dents, mais ça reste très enveloppant, très chaud, très sympa. Ouais, donc je sais, ils font des trucs quand même chouettes. Et c'est de l'extrait de parfum et ça tient assez bien. Moi, j'aime beaucoup aussi le celui au cacao. Delicious Black Powder. Ouais, qui est très sympa. Donc, vous avez sorti ça et j'en avais sorti encore deux autres pour vous. Alors, j'avais sorti... Là, on part pas sur des notes lactées, dans le sens lait de vache, mais sur des parfums qui peuvent vous donner cette impression, en fait, lactonique et de douceur. J'avais sorti... Alors... Piano Santa de l'Orchestre Parfum, que j'aime vraiment beaucoup. Je pense que lui, alors là c'est, je sais pas si vous verrez grand chose, Piano Santa de l'Orchestre Parfum, je pense que lui à terme je me le prendrai, parce que c'est un très joli parfum à base de bois de santal. Et du coup il a vraiment un côté boisé et lacté, et je trouve que le bois de santal, souvent les parfums comme ça, ça peut vous apporter ce côté un peu lacté, côté doux, un peu crémeux, mais pas encore une fois ce côté très chaud. Vous savez, l'odeur que j'aime pas, c'est quand vous faites trop chauffer le lait, si je me trompe pas, à la casserole, vous avez cette peau qui se forme et c'est un côté un peu... Oh, la peau, hein, j'aime pas trop ça. Et alors que là, vous avez le côté boisé du bois de santal et vous avez aussi un côté lacté qui est très très joli. Et ça, c'est super beau, c'est super élégant, c'est pas écœurant, c'est très bien fait. C'est vraiment un très beau parfum. Moi, je l'aime beaucoup, le Piano Santal de chez l'Orchestre Parfum. Vous pouvez le découvrir avec le sommelier du parfum. Donc, comme d'habitude, hein, je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos si vous voulez découvrir ou faire votre sélection d'échantillons. Profitez-en parce que j'ai mon code promo qui est actif jusqu'à la fin du mois de février. Si vous voulez aller découvrir Piano Santal, je vous le recommande fortement. Il y a aussi Piano. Ah non, j'essaie de vous trouver ça. Chez l'Orchestre Parfum aussi, il y a Bouquet encore qui est très joli. Donc là, on parle d'un parfum boisé, lactonique, poudré, musqué. Lait, odeur de peau, bois de santal, bois de cachemire, musc blanc, cumin, ambroxan, cèdre, bergamote, bref. Moi, ce que je sens vraiment, c'est... Ah, j'aime beaucoup ce côté ambroxan aussi. Je vous ai dit ambroxan, je ne sais pas pourquoi c'est une note qui me plaît. Mais ce côté bois de santal, lacté, joli, musqué, c'est, franchement, c'est très très beau. Et on n'a pas le côté écœurant, enfin, je trouve, hein, on n'a pas le côté écœurant du lait qui prend beaucoup, beaucoup de place. Non, c'est juste ce qu'il faut. Ah, c'est vraiment sympa, ça, c'est vraiment sympa, là, ce Piano Santal, là. Et le dernier, l'avant-dernier dont je voulais vous parler, c'est le Santal Basmati de chez Affinescence. Et là, vous allez me dire, mais Olivia, pourquoi tu nous parles de Santal Basmati? C'est la collection Notes de Fond. Eh bien, parce que je trouve pareil que le bois de Santal et le côté Basmati, riz Basmati, ça donne un petit côté lacté. Vous avez toujours ce bois de Santal qui va donner un peu de douceur, un peu de rondeur, mais un petit peu de boisé. Et le côté Basmati, moi, l'odeur que ça me rappelle, c'est quand vous faites cuire du bon riz basmati. Du bon riz basmati à l'autocuiseur, vous savez. Et vous avez ces effluves en fait de riz basmati qui vont remplir votre pièce. Et quand vous ouvrez l'autocuiseur, vous avez la vapeur comme ça. Et vous avez les effluves du bon riz basmati.
Et ça me rappelle un peu le côté, alors si vous êtes un peu comme moi et que vous mettez un peu trop d'eau dans l'autocuiseur, des fois vous avez l'eau qui sort de l'autocuiseur. Olivia, grande cuisinière. Et vous savez, c'est de l'eau avec de l'amidon, hein, donc du coup il y a un côté lacté. Et ça me fait penser à ça. Je sais pas si je vous vends très bien le truc hein, là. Mais non, vraiment, c'est très bien. C'est très beau comme parfum. Si vous aimez le bois de santal, si vous aimez le côté réconfortant du riz et que vous êtes comme moi, que vous mangez du riz tout le temps, ben, ce santal basmati, il est vraiment très joli. Il est vraiment original. C'est un parfum qui est assez original. Il a un petit côté musqué aussi. Enfin, non. Enfin, musqué, je sais pas. Mais on parle d'iris, de patchouli, de bois de cachemire. Mais vous avez. Pour moi, c'est basmati. Lacté, santal, c'est joli, c'est réconfortant. Ça aussi, ça en conduit, c'est un parfum cocooning. C'est pas un parfum qui va en imposer, c'est vraiment un parfum qui va vous envelopper dans, voilà, dans, vous portez une jolie veste enveloppante, et ben voilà, vous mettez ça et vous allez vous sentir bien. On est sur des parfums chez Effinescence, je trouve qu'ils sont assez linéaires. Donc vous n'allez pas avoir une grosse évolution au niveau du parfum. Vous allez avoir un parfum qui va tenir dans le temps parce que c'est vraiment leur concept. Avoir un parfum qui va tenir dans le temps avec d'autres de fond qui sont assez denses. Mais ouais, celui-là il est vraiment joli. Je vous encourage à le sentir si vous avez l'occasion. Vous pouvez commander des échantillons sur le site officiel de la marque. Et alors le dernier dont je voulais vous parler. Alors j'ai le droit de vous en parler, d'accord ? Je fais ce que je veux. Encore une fois, c'est mon délire de femme enceinte, d'accord ? Je voulais vous parler de Fame. De Fame de Paco Rabanne. Oui, Fame. Le parfum avec mon flacon préféré de tous les flacons du monde. Peut-être pas mon flacon préféré, mais... Je vous montre ce flacon. Alors, je sais qu'il y a des gens qui l'aiment bien, ce flacon, mais moi, sincèrement, je n'aime pas du tout. J'aime pas du tout. En fait, vous savez pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un parfum qui est à base de mangue, de jasmin et d'encens, si je me trompe pas. Et je l'avais eu, je l'ai terminé, je l'ai pas racheté. Et pourquoi je vous en parle? Parce que pour mon nez, il me fait penser un petit peu aux glaces mochi. Je sais pas si vous avez déjà mangé des glaces mochi. Vous savez, c'est des petites. Normalement, le mochi, c'est de la pâte de riz. Hein. Et vous avez, c'est ce petit sorbet à la mangue, donc mangue un petit peu lactée, ou des fois ça peut être une crème glacée, et vous avez la pâte de riz mochi autour, et c'est bon, enfin moi j'aime beaucoup hein, ça, ou sinon vous avez le lassi aussi. Le lassi, c'est une boisson indienne, c'est à base de lait, vous avez plein de lassis différents, et vous avez le lassi à la mangue, et donc du coup, Fame, quand je le sens, ben, ça me fait penser à ça, au lassi à la mangue, et au mochi. Donc du coup, c'est pour ça que je vous en parle. Alors c'est vraiment, voyez-le comme quelque chose de bonus, hein, c'est d'accord, c'est un truc, c'est un bonus. Mais si vous êtes familier, familière comme moi, de ce genre de dessert, de ce genre de produits asiatiques, eh ben peut-être que ça va vous faire ce même effet-là. Vous allez peut-être percevoir, votre cerveau va peut-être imaginer un côté lacté dans le parfum. Alors vous avez le parfum Fame, enfin le Fame normal, hein, c'est l'eau de toilette, je crois, qui est sorti, et après d'ailleurs ils ont sorti Fame Parfum, que j'aime bien, hein, Fame Parfum, mais ce Fame Parfum, on perd ce côté un petit peu lassi. Donc si vous voulez le tester, bah, n'hésitez pas. Voilà, écoutez les amis, ah oui, j'en ai d'autres aussi, mais je vous en parlais très rapidement. Parce que je ne les ai plus. En parfum lacté aussi, vraiment rapidos, on a de chez Commodity Milk. Alors ça, c'est un parfum qui est censé sentir le lait, le sucre. Moi sincèrement, j'ai pas accroché, j'ai pas compris. Alors chez Commodity, vous avez trois niveaux de parfum. Vous avez le moins, le normal et le plus. Ouais, non, j'ai pas compris le principe du milk. On nous parle de parfums sucrés, lactoniques, boisés, poudrés, musqués, vanille. Dans l'absolu, il aurait eu tout pour me plaire. Et lait, guimauve, musc naturel, fève tonka, acajou. Et je sais pas, je l'avais commandé en décante sur Pafori et j'avais pas accroché. Je l'avais pas trouvé. Je sais pas. Moi, j'avais pas aimé. Après, j'ai des collègues qui m'ont dit qu'elles l'utilisaient pour faire du layering avec et pour apporter un côté un peu plus lacté, un peu plus doux à certains de leurs parfums. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez le tester. Je sais qu'il était en rupture pendant un moment, mais bon, c'est toujours à tester. Peut-être qu'il faudrait que je le teste en version plus.
ou en version moins, justement pour avoir plus de lait ou de sucre, peut-être moins, enfin je sais pas. Moi j'ai pas accroché, il existe, si vous voulez un parfum lacté, ça peut être une occasion pour vous. Et comme je dis souvent, vaut mieux acheter un décant de 8 ml. Foirez votre achat de 8 ml, mais au moins ça vous épargne un gros flacon, que faire un achat de flacon et là où vous n'aimez pas, vous n'êtes pas content, vous ne savez pas quoi en faire. Donc voilà, vous avez chez Commodity Milk à tester. Chez Comptoir Sud Pacifique, vous avez Matin Câlin. Matin Câlin, sincèrement les amis, pour moi c'est quasiment la même chose que lait concentré. C'est franchement, c'est le premier parfum que j'ai acheté chez Comptoir Sud Pacifique. Je l'avais adoré. Je l'avais vraiment adoré. Il est doux, il est réconfortant, il est sucré. C'est extrêmement proche de lait concentré. Peut-être qu'il a... Bah, je suis même pas sûre. Hein. Franchement, c'est kiff kiff bourricot. C'est... Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, Matin Câlin, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Pour moi, il a un côté aussi un peu crème brûlée. Mais le dessus de la crème brûlée, on nous parle de lait, de sucre, de vanille, de bois de santal. C'est très joli, c'est très doux, c'est très enveloppant. Mais encore une fois, il n'y a pas ce côté écœurant du lait. Vraiment très bien fait. Allez découvrir la marque. Franchement, Comptoir Sud Pacifique, on n'en parle pas beaucoup de cette marque-là. Mais ils font des très jolies choses. Ils ont pas mal de vanille. Ils ont pas mal de vanille avec la vanille banane, la vanille abricot, la vanille cassis, la vanille mûre, la vanille café. Donc on peut se commander des échantillons. Ils ont un parfum à base d'ylang qui s'appelle Lily Lang, je crois, un truc comme ça, qui est très très joli pour l'été. Ils ont quoi aussi qui est super sympa? Ils ont Aloha Tiare qui est assez chouette. Et moi, Matin Câlin, à l'origine j'étais partie pour m'acheter une vanille. Et quand la dame a fait sentir Matin Câlin, ben, j'ai craqué, je me l'étais offert et j'avais adoré Matin Câlin. Et le dernier dont je voulais vous parler, ben forcément, c'est Blanche Bête de chez Liquide Imaginaire. Ça c'est ça les amis, c'est un très très beau parfum de niche. Je ne vais pas montrer les flacons, moi je suis une vilaine. Donc vous avez ce flacon là, et là on est sur un parfum, donc pareil, avec du lait, de la noix de coco, de la vanille, on nous parle d'ambrette, on nous parle de notes mystiques. Vous avez la tubéreuse, du jasmin, du mahonial, il y a de la fève, du musselin. Vraiment, c'est personnellement, je trouve très très beau. J'aime vraiment ce côté enveloppant. C'est lacté, mais encore une fois, vous n'avez pas, c'est pas cette odeur de lait qui chauffe. Il y a ce côté un peu, ben voilà, enveloppant, les sexy, tu vois, que voilà. Non, c'est très très beau. C'est très très cher. voilà, mais c'est un beau parfum. Si vous voulez quelque chose de sexy, de lacté, de raffiné, d'enveloppant, qui est plaisant, qui est très très plaisant, c'est un beau parfum à aller découvrir. Donc si vous avez l'occasion, bah, pareil, un petit échantillon. Si vous êtes comme moi dans le 06 à Polygon Riviera, au printemps maintenant, ils ont pas mal de parfumerie de niche. Donc on a BDK, vous avez Liquide Imaginaire, vous avez Stéphane Humbert Lucas, vous avez Juliette The Gun, vous avez Parfum de Marly. Du coup, voilà, vous avez quand même pas mal de choses. Il y a pas mal de marques. Franchement, ça commence à être bien. Et donc du coup, vous pourrez tester Blanche Bête de chez Liquide Imaginaire. Et ben, j'espère qu'il vous plaira. Hein. Moi, il me plaît, il est sur ma liste d'achat. Il est sur ma liste. Et on verra ce que 2024 nous réserve. Donc voilà les amis, je vous ai parlé un petit peu de tout ce que j'avais noté pour vous. Pareil, n'hésitez pas à nous partager les jolies choses que vous avez découvertes et qu'on doit connaître. Nous sommes des personnes qui ont le cœur grand et on veut que tout le monde sente bon. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me mettre un commentaire. Et moi, je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end. Vous faites des bisous, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.